Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Salut. Alors, je vais commencer un peu la musique en attendant que le colonel Sow se prépare à nous rejoindre. Nous allons parler aujourd'hui du changement dans la paix de notre président élu et pourquoi est-ce que c'est la bonne méthode, la meilleure méthode pour contrer le gré à gré qui se prépare au Cameroun. Connectez-vous, partagez. Un instant. En fait, je n'avais pas fait tous les derniers réglages avant de lancer. Mais bon, on va quand même. Voilà. Voilà. Merci de vous connecter. Bonsoir, Reine-Mère Alternance. James Moussa, salut. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue sur ce Facebook Live de la page Sandy Boston en compagnie du colonel Sow. Je ne peux pas lire vos commentaires, hein, donc je vais essayer de me débrouiller jusqu'à ce que je puisse connecter. Hommage et honneur à la tradition ce soir parce que nous accueillons quand même un des gardiens de la tradition, hein, le colonel Sow. Donc, on est en style traditionnel ce soir. Merci.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live de la Génération D, Facebook Live qui sera consacré essentiellement à expliquer justement, à rentrer un tout petit peu en profondeur dans la vision du président élu qui est celle du changement dans la paix dans notre cher et beau pays. Et ce soir, je serai en compagnie justement du colonel Sow. Le colonel Sow, s'il est connecté, qu'il fasse un commentaire, je vais le prendre en duo dans le live et nous allons continuer. Donc, ce soir, donc, nous allons parler de la vision de notre président qui est du changement dans la paix. C'est vrai que le changement dans la paix a été caricaturé par certaines personnes voulant faire croire aux Camerounais que lorsque le président élu dit que le changement se fera au Cameroun dans la paix et par les urnes, ça voulait en effet dire que le président élu demandait aux gens d'aller s'asseoir et d'attendre les élections. Que nenni, le président élu n'a jamais demandé aux Camerounais de rester sans rien faire, d'attendre que Monsieur Biya fasse une autre forfaiture sur les élections au Cameroun. Ce n'est du tout pas vrai. Le changement tel que le président l'envisage, et d'ailleurs tel qu'il a déjà dit dans plusieurs de ses discours, y compris sa dernière sortie, était justement celui du peuple. Le président élu demande aux Camerounais de prendre leur destin en main. Leur demande est d'être prêts à se lever et à prendre leur destin en main si besoin s'en faut, si jamais le régime de Monsieur Biya, à travers ses pontes, essaye de faire un autre tour de passe-passe. Voilà le colonel Sow. Alors, est-ce que tu as la caméra, colonel Sow? Ah, j'ai perdu son commentaire. Tu as la caméra, mon colonel? Attendez, attendez. Un instant. J'essaie de retrouver le colonel Sow. Voilà, voilà, là. Est-ce que ça me donne l'option? Ok. Trimé, juste. Un instant, je cherche à prendre le colonel Sow. Hein. Oh. Voilà. Non, je vais essayer de rajouter. Colonel, je t'envoie la demande. Donc, si tu peux, tu acceptes et puis tu nous rejoins. Donc, en fait, c'est ça. Et nous allons essayer d'explorer le pourquoi est-ce que la méthode prônée par notre champion, le président élu, Son Excellence Maurice Kamto, serait la meilleure pour éviter justement le chaos, le gré à gré et le bain de sang au Cameroun. Serait la meilleure pour justement tenir le régime Biya. Oh là là. Bonsoir, ma baleine blanche. Trimégiste Sow. Ah, j'essaie encore de t'attendre. Pourquoi ça ne prend pas? Bon, voilà, je rajoute le colonel Sow. No answer from the video guest. No answer from the video guest. Colonel Sow, s'il te plaît. C'est soit tu envoies la demande et je te prends, soit tu acceptes la demande que je t'envoie. À défaut de ça, on pourra évidemment communiquer par WhatsApp. Mais s'il te plaît, ce serait bien si on partageait l'écran et que les gens ont envie de te voir. Hein? Les gens ont envie d'entendre de toi ce soir. Il faut que ça marche. Donc, j'étais comme ça en train de dire que le changement dans la paix, en fait, a été très mal compris parce que justement, pris kidnappé par certaines personnes qui ont voulu tordre et même distordre la parole du président élu, l'idée du président élu, la vision du président élu, et ont voulu faire croire aux gens que, en fait, le président élu leur dit de rentrer chez eux et d'attendre d'aller voter. Vous avez entendu des gens qui disent que Kamto sait que avec Elecam, la Cour constitutionnelle et le RDPC, il ne va jamais gagner des élections. Bien sûr qu'il le sait, parce qu'il a fait la démonstration. Il nous en a fait la démonstration en Mondovision en 2018, avec à l'appui
32 PV qui sont portés disparus jusqu'aujourd'hui, dont le président élu, plus que quiconque, est averti de la fraude massive dont le RDPC est capable. Le président élu est averti des violences dont le RDPC est capable, justement, pour empêcher que les élections. J'ai envoyé la demande. D'accord, je prends, je prends, je prends. Attends. Ad, voilà. Ad. No answer from video guest. Attends, je vais essayer de filmer ce que ça montre parce que là, je ne sais pas ce qui se passe. J'éteins et je remets. Et là, j'essaie maintenant de prendre Trimégiste. Oh là là, on est revenu à ce vieux système-ci. Avant, on fonctionnait avec ça et ça nous causait beaucoup d'ennuis. On n'aura plus ce problème si dès que... Oh là 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 là. On n'aura plus ce problème dès que la régie sera évidemment arrangée. Trimégiste, Colonel So. Bon. Un instant, hein. Trimégiste. Colonel So. C'est où ça? Oh, voilà, je l'ai ajouté. Bon, il faut que je filme bien chaque étape parce que là, je ne comprends pas ce qui se passe. Ok, je vais prendre une photo de chaque étape. Bring Trimégiste, Colonel, sur la caméra. Bon, j'ajoute add. No answer from guest vidéo. Oh là là. Colonel, so, essaie encore d'envoyer. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce truc ce soir. Essaye d'envoyer. Sinon, je te prends en WhatsApp. Je mets le numéro de téléphone. Je mets le numéro de téléphone et je vais te prendre par WhatsApp si ça ne marche pas. Voilà. Donc là, j'ai mis le numéro de téléphone. Je pense que je vais l'épingler. Si quelqu'un voit le numéro, les commentaires passent tellement vite que je ne vois même pas moi-même. Si quelqu'un voit qu'ils mettent 0044 780 459 46 14. 0044 0044 789 0044 780 459 46 14 0044 780 459 46 14. Ok, Colonel So essaye avec son autre compte. Voilà, merci. Je vais épingler ça. J'épingle le numéro de téléphone. Comme ça, vous pourrez intervenir. Ou alors le Colonel So va d'abord passer par là si son autre compte ne marche pas. Donc, en attendant le Colonel So, justement, j'étais en train de dire que. Nous savons tous que le gré à gré est en train de se préparer au Cameroun. Tout le monde le sait. Ce n'est pas un nouveau gré à gré. Ce n'est pas quelque chose qui vient d'être décrété. Non.
Le régime Biya sait que Biya est arrivé à sa fin. Il est arrivé à sa fin biologique. Il est arrivé à sa fin politique. Monsieur Biya est fini. Il est fini comme les finitions. Il est fini comme les funérailles. Et donc, sa succession est en pleine préparation. Sa succession se prépare depuis l'élection 2018. Ce n'est pas aujourd'hui que le régime Biya prépare la succession de Biya. Le régime de Biya prépare la succession de Biya depuis très longtemps. Cependant, il y a beaucoup de problèmes dans cette succession parce que, évidemment, il y a son épouse qui a de longues vues sur le pouvoir et qui d'ailleurs est en train d'exercer le pouvoir en ce moment via M. Ngongo, qui est son homme droit, son homme de main quoi. Donc, nous avons l'épouse de M. Biya qui justement a la même mise sur le pouvoir à travers M. Ngongo, qui à coup de signature à lui délégué par le chef de l'État, prend les décisions pour les Camerounais. M. Ngongo prend les décisions parce que l'époux de Mme Chantal Biya lui a donné la signature permanente. Donc, en réalité, M. Ngongo gère le Cameroun, c'est lui le président de fait depuis 2018. Cependant, il y a donc le clan de la tribu de M. Biya, le clan des Boulous, qui ne veut pas lâcher le pouvoir parce qu'ils savent que une fois que M. Ngongo ou alors Mme Chantal Biya auront la légitimité, parce que pour le moment, ils sont en train de diriger le pays par procuration. Pour le moment, Ngongo dirige le pays par procuration. Il est président sans être président. Il a la signature, mais il n'a pas le siège. Il a le pouvoir, mais il n'a pas les avantages qui vont avec le pouvoir. Donc, M. Ngongo est président sans être président. Mais cela permet à Mme Chantal Biya de continuer à avoir la mainmise sur le pouvoir du Cameroun. Maintenant, leur plan serait de faire pérenniser leur mainmise sur le pouvoir. Comment feront-ils pour garder cette part du pouvoir qu'ils ont? Évidemment, l'une des solutions pour eux, en tout cas, serait d'anticiper les élections afin de présenter celui-ci comme un candidat et le faire plébisciter par le parti et les membres du gouvernement. Cependant, et je dis bien cependant, le premier obstacle à ce hold-up du pouvoir au Cameroun par le clan Nangai Boko, dirigé par Madame Chantal Biya via Ngongo, le tout premier obstacle à leur prise de pouvoir, c'est justement le clan de la tribu de M. Biya, le clan des Boulous. Les Boulous qui ont dirigé le pays pendant près de 40 ans. Les Boulous qui ont assis leur pouvoir dans toute l'administration. Les Boulous qui ont pénétré l'appareil de l'État jusqu'à sa moelle, dans tous les commissariats, toutes les gendarmeries, toutes les sous-préfectures, toutes les préfectures, presque toutes les mairies, on retrouve les Boulous. Alors, ils se sont habitués à avoir cet avantage d'être la classe dirigeante du Cameroun. Et ils ne sont pas prêts à lâcher cela, parce qu'ils savent que s'ils lâchent cela, ils seront écrasés par le reste des Camerounais. Et je parle là de la classe dirigeante Boulou et non du peuple qui souffre à Sangmélima, à Ebolova, à Kribi et ainsi de suite. Je parle ainsi de la classe dirigeante Boulou, cette petite minorité qui s'est accaparée de l'appareil de l'État, qui l'a confisqué et qui l'utilise comme bon lui semble. Et ce clan Boulou, pour maintenir donc sa mainmise sur justement l'appareil de l'État, a commencé à fabriquer une candidature. Sachant que, justement, les Boulous eux-mêmes étaient déjà divisés en plusieurs clans, que vous connaissez d'ailleurs, et qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Cependant, ils ont un ennemi commun qui est le clan Nangai Boko.
la figure unificatrice du clan Boulou semble être le fils de l'homme qui a commencé à être fabriqué. Oui, les gens l'ont fabriqué, lui ont imposé. Mais justement, puisque lui aussi, il a pris goût aux affres du pouvoir, il a commencé à être intéressé. D'où les photos et les postures, le protocole qui l'accompagne dorénavant. Pour travailler les Camerounais et leur dire qu'ils pourraient être. Donc nous avons ces deux clans-là qui sont à couteau tiré et qui ont un seul et même objectif qui est la prise du pouvoir au Cameroun. Maintenant, l'imprévu, l'inconnu dans l'équation, c'est qui? C'est le président Maurice Kamto. Le président Maurice Kamto, et beaucoup s'attendaient à ce que il prône la méthode forte, la méthode violente, la méthode rapide, la méthode sans issue, la méthode incertaine, la méthode sans avenir, la méthode facile, paresseuse, qui aurait été de dire aux gens, prenez les armes et battez-vous. Vous battre contre qui? Personne ne sait. Mais c'est justement pour cela que le président élu, voyant le danger des deux côtés, voyant que le chaos ne bénéficierait à personne, et d'ailleurs, le chaos permettrait à d'autres brigands d'émerger, parce qu'il y a plein de brigands au Cameroun qui n'attendent que cela. Il y a plein de brigands armés qui n'attendent que le chaos pour s'immiscer dans la course au pouvoir et tuer tous leurs rivaux. Oui, il y a plein de brigands armés au Cameroun. Il y a plein de milices armées qui n'attendent que cela, qui n'attendent que la situation devienne fluide et sorte des bois. Et le président élu est averti de cela. Il sait qu'une situation de chaos généralisé détruirait toute chance d'alternance démocratique dans notre pays. Je vais encore essayer de prendre le colonel So. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Colonel So, s'il te plaît. Ah, attendez, attendez. Je ne vois pas du tout les commentaires. Je vais essayer d'aller doucement pour voir si le colonel So est là. Yé, Zambe. Zambe, Zambe. Voilà, un instant. Allô? Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Ah, c'est moi qui suis vraiment embêtée parce que ça aurait été excellent de t'avoir à l'écran. Je sais pas comment on va faire. Attends, j'essaie un peu de te prendre en vidéo. Là. Tu es connecté sur le live avec un autre compte. Bon, attends. C'est... C'est quel compte? Alors, tu es connecté avec un autre compte Facebook, pas le trimégiste colonel So. Oui, c'est le trimégiste que j'ai. Le trimégiste. Bon, fais un commentaire. Voilà, attends. Je viens de voir un commentaire. Ouais, Seigneur. J'essaie de lancer la demande, envoyer une demande de participation. Ah, attends, il y a un truc qui est apparu là. Voilà, j'ajoute. No answer from video. Attends, je vais te montrer ce que ça montre quand j'envoie, quand je mets ajouter. Donc ça doit être un souci alors, ça doit être un souci qui vient de là-bas. Qui vient peut-être de chez moi, je ne sais pas. Prends. Bon, attends, je te mets l'écran. Tu vois à peu près ce que ça me montre quand j'envoie. Bon, voilà l'écran. Je cherche. Toi, voici ici en bas, non? Oui. Bon, regarde comment j'appuie sur... Ok, c'est vrai que ça, c'est un souci technique. Mais je pense qu'on doit peut-être avancer. Hein? Ouais. Sinon,
parce que je pense que je suis dit bonsoir à Bon. tous les concitoyens qui sont là. Bon, je te mets quand même avec la caméra WhatsApp sur l'écran. Tu peux parler, les gens vont te voir. J'espère. Attends un peu. Ouais, quand tu veux. Je voulais mettre ça en horizontal pour que ça apparaisse bien à l'écran, mais ça n'apparaît pas. Donc, je suis obligée de mettre à la verticale. Donc, voilà le colonel Sow. Un instant. Voilà. Colonel Sow est en live. Est-ce que tu peux parler au Camerounais, mon colonel? Bien évidemment, puisque c'est notre préoccupation majeure. Je vais essayer de baisser le volume ici. Donc, je dis encore bonsoir à tous les concitoyens qui sont là. J'espère que tu m'écoutes là. Oui, on t'écoute et on te voit très très bien. Ah, d'accord, très bien, merci. Donc, il y a quelque chose de primordial et d'essentiel que nous devons comprendre. Parce que la vie elle-même, donc la chose la plus sacrée qui représente cette vie, a été déjà pervertie par ceux qui aujourd'hui ont le pouvoir en place. Parce que pervertir nos peuples, c'est l'égarer de son essence, c'est-à-dire de la réalité, des objectifs même, qui consistent à pouvoir emprunter des voies qui nous permettront à pouvoir se réaliser. Voilà. Parce que la chose la plus subtile pour pouvoir atteindre cette fin, parce que là, on parlait du conditionnement humain, hein, et c'est une philosophie, des thèses qui ont été pensées par un grand nombre de ceux qui sont aujourd'hui qu'on appelle les mondialistes. Donc ce n'est pas une ironie. Et puisque au niveau du Cameroun, notre nation, on connaît bien comment Biapol a été intronisé au pouvoir. Donc le fait que ce n'est pas une ruse, et nous avons les grands frères aujourd'hui qui nous expliquent clairement la situation, pour ceux qui ont encore vu la vérité en face vendredi. Donc ce n'est pas ruse. À l'époque, on nous a fait comprendre que c'était un coup d'état médical et tout. On comprend aujourd'hui que c'était vraiment une volonté. Et a accédé au pouvoir par ce moyen. Donc, il était dans l'obligation maintenant de mettre en application donc la pensée ou bien l'idéologie de ceux qui l'ont mis au pouvoir. Donc, par conséquent, hein, puisque ils n'ont pas la volonté de pouvoir hein, orienter le peuple à son accomplissement, à sa réalisation ou la prise de conscience. C'est ça qu'il s'agit même, la prise de conscience de son existence. Tout à fait. Donc, il a fallu donc qu'ils mettent en application hein, la pensée, l'idéologie de ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les mondialistes ou bien ces groupuscules qui contrôlent le capitalisme, on va dire les Nations Unies, toutes ces organisations, Banque mondiale. Donc, ça dessine que Paul Biya a choisi de ruiner sa nation. Ça dessine qu'il a choisi. Imaginons-nous, je crois juste un petit exemple, les années 90, jusqu'à 90 encore, l'université n'était pas payante. Les étudiants avaient accès aux restaurants hein, gratuits. Ils avaient accès aux chambres, n'est-ce pas? Lorsque Paul Biya, à un moment donné, comprend qu'il faut aérer le peuple, il commence par l'éducation. Et en commençant par l'éducation, il fallait donc qu'ils viennent alors détruire le système pédagogique. Allez affamant d'abord. Vous allez payer maintenant l'université, on ne vous paye plus. Et dorénavant, c'est vous qui allez payer vos chambres. Puisque tout tient un peu. Il faut commencer par l'instruction. Il faut commencer par l'éducation. Donc c'est à dessein. Donc si aujourd'hui, hein, nous sommes dans cet état, si aujourd'hui nous sommes dans ce processus, on va le dire ainsi, comme le président élu l'a dit, hein, il y a très longtemps, la première chose était d'élever la conscience politique au moins. Parce que la conscience politique n'est qu'un aspect. Pour qu'ils prennent au moins conscience que celui qui est là au pouvoir devait être le garant des institutions, il devait être le garant hein, et le serviteur du peuple.
Donc, ce n'est pas un être exceptionnel. Ce n'est pas un être, un extraterrestre qu'il a. Puisque dans sa manière de fonctionner, d'agir, il a bien voulu que les Camerounais le prennent comme un être exceptionnel. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui étaient autour de lui ont tout mis en œuvre pour qu'on puisse le considérer comme un sphinx, comme un homme lion. Donc, il a toujours sorti des concepts le concernant, hein, tout simplement d'une manière où il doit, ça doit terrifier le peuple. Ouais. Donc, c'est notre mission aujourd'hui. Hein, je suis en train de dire, c'est notre mission aujourd'hui. D'accord, nous qui avons compris, qu'a dit nous? Voilà Sandy, je prends un exemple tout simplement avec toi qui es une citoyenne, hein, qui est aujourd'hui, qui atteint ce qu'on appelle l'éveil, hein, l'éveil de cette conscience politique. Avant, on se contentait tout simplement de notre vie matérielle, puisque le système nous a orientés à la dépouillatrice, mettant en avant toujours l'aspect matériel. Nous constatons donc, puisque, j'ai pris l'exemple chez toi, tu as constaté que hormis de ce qui est, tu as compris que tu n'es pas ta profession. Tu as compris qu'on dirait de ta profession. Il y a un enjeu très important à accompagner dans ta nation. Donc, ce qui n'empêche pas aujourd'hui que pendant que tu te sers maintenant du capitalisme, c'est plus le capitalisme qui te sert. Hein, tu as compris que je vais travailler puisque les lois et les normes actuelles l'imposent. Mais en même temps aussi, je vais lutter pour que ceux qui ont endopé la nation, ceux qui ont pris le pays en otage, ceux qui ont creuser une caverne et enterrer l'âme de cette nation-là, que tu dois lutter pour accompagner ce processus. Donc, tous les Camerounais sont capables de cela. Ce n'est qu'une prise de conscience. Merci, maman. Merci. Merci, mon guerrier. Merci beaucoup pour ces explications. Je te garde en ligne ou bien... Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, tu pourras intervenir de temps en temps. Bien sûr. Tout à fait, super. Donc, justement, comme le colonel So était en train de le dire, ce qui s'est fait au Cameroun depuis les élections 2018, justement, c'était la conscientisation du peuple camerounais. Vous avez vu un peuple qui passait son temps dans les bars, à boire, à manger, à regarder les matchs de football, qui aujourd'hui, lorsqu'on dit qu'il y avait le Conseil constitutionnel et que tous les Camerounais étaient justement en train de regarder la procédure au Conseil constitutionnel, alors qu'il y avait un match de football de la Champions League qui passait en même temps. Ça veut dire que le président élu a réussi justement son challenge qui était d'intéresser le Camerounais à la chose politique. Comme lui-même, il le dit, de s'adresser à la conscience des Camerounais. Et c'est dans ce travail de fond qu'il a fait et qu'il continue de faire. Depuis 3 ans, nous avons vu un homme qui, entre guillemets, a perdu les élections, mais qui continue de faire la météo de la politique camerounaise. Un homme à qui on refuse qu'il s'adresse au peuple camerounais. On le muselle par tous les moyens. Le président élu, pour avoir accès aux médias, est obligé d'aller à l'étranger pour avoir accès aux médias. Justement parce que le régime en place sait que lorsque le message du président élu va atteindre les tréfonds de la nation camerounaise, va atteindre le village le plus profond et le plus lointain, la fin du régime sera là. Nous avons vu des populations à l'est de Cameroun. Vous vous rendez compte? L'est qui était l'un des socles granitiques du RDPC. L'est qui était l'une des régions où le RDPC gagnait à 150%. Vous avez vu les populations de l'est d'Abomba mettre le tissu du RDPC dans un cercueil et le brûler. Pour vous dire que le travail de fond est en train de prendre effet. Le travail de conscientisation, le travail d'éveil du peuple camerounais est en train de prendre effet. Il est peut-être lent. Il n'est peut-être pas visible. Mais c'est justement ça qui fait la beauté de ce travail. Parce que, par exemple, lorsque vous avez un abcès, la surface peut paraître saine, mais à l'intérieur, c'est en train de bouillonner, c'est en train de bouillonner jusqu'au moment où ça va se percer. Et c'est justement ce travail de fourmi,
dalle de longue haleine, de porte à porte, de citoyen à citoyen, que le président élu, ses équipes et les autres combattants sont en train de faire au Cameroun en ce moment. Vous vous rappelez les témoins de Jéhovah? Les témoins de Jéhovah, c'est une religion qui n'avait pas d'église à l'époque de Aïdjo, qui était interdite, qui fonctionnait souterrain. Mais le travail de porte à porte que ces gens ont fait, sans relâche, sans se fatiguer, tous les jours que Dieu a créés, sous la pluie, sous le soleil, on leur versait de l'eau, on les insultait, on les abusait, mais ils continuaient seulement de prêcher, jusqu'au moment où ils sont devenus l'une des religions les plus majeures dans notre pays et dans le monde. Malgré les persécutions, malgré l'incompréhension, et c'est dans ce travail d'éveil que le président est lui en train de faire. Vous vous rendez compte que lorsque nous allons au Zénith pour accompagner l'artiste, notre général, le papa Valsero, le Zénith est attendu par tout le monde, y compris au Cameroun. Nous avons eu des rapports nous disant que le Zénith, c'était comme la Coupe du Monde. Les gens regardaient les lives dans les téléphones partout pour voir ce qui se passait au Zénith. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte du niveau d'investissement que l'équipe du changement dans la paix est en train de faire au 237? Donc, pour revenir au sujet, donc je disais, nous savons que le gré à gré est en préparation au Cameroun depuis 2018. Nous le savons. Tout le monde le sait. Et pourquoi le savons-nous? Parce que le président Maurice Kamto, encore lui, nous a dit, soyez vigilants, il y a un gré à gré qui se prépare. Si le président Maurice Kamto n'attirait pas ça à notre attention, on devait rester focalisé sur il faut chasser, alors que le gré à gré est en train de se faire sous notre nez. Le président Kamto nous a tenu en éveil. Vous vous rappelez quand on comptait les jours pour déclarer la vacance du pouvoir. Le président élu nous a préparé à cela. Il nous a dit de rester vigilants. Et justement parce que le président élu a mis ce terme dans la tête des Camerounais, tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a un gré à gré qui est en train de se préparer. Et alors, le fait que les Camerounais sachent qu'il y a un gré à gré les tient en éveil. Ils sont en éveil. Ils sont debout. Même si en surface, vous les voyez dans les bars et tout, les Camerounais sont attentifs à la chose politique désormais. Les Camerounais s'intéressent à ce qui se passe dans la politique désormais. Alors, parce que nous sommes en éveil. Parce que les Camerounais sont en éveil. Nous avons le devoir de maintenir ces Camerounais debout, attentifs, éveillés. Au moindre changement, au moindre petit bruit qu'il y aura au Cameroun, c'est notre devoir. C'est notre devoir de dire à nos concitoyens, dormez d'un œil, gardez l'autre ouvert, parce que ces gens en haut sont en train d'essayer de vous faire un autre Zolo, d'essayer de vous enfiler une fois de plus. Et nous vous exhortons à ne pas laisser passer ce gré à gré. Et alors, quel est le rôle du changement dans la paix pour empêcher le gré à gré? C'est ça la question. Parce que quand les gens nous disent tous les jours, oh, le gré à gré est en train de se faire, vous parlez de changement dans la paix. Mais, et c'est avec la guerre que vous allez arrêter le gré à gré? Nous allons tous les jours ici expliquer justement pourquoi la méthode du président élu de changement dans la paix est la plus appropriée pour empêcher le gré à gré. D'ailleurs, c'est la seule qui puisse effectivement stopper cette forfaiture du gouvernement Biya. C'est d'ailleurs pour ça que nous devons éduquer, conscientiser nos concitoyens, leur apprendre les enjeux de la situation, les parties qui sont inclus dans cette bataille qui se prépare. Vous avez le clan Nanga d'un côté, Madame Chantal Biya, dont la main agissante est Ngongo. De l'autre, vous avez le clan Boulou, qui étaient divisés, fracturés en plusieurs micro-clans, qui aujourd'hui sont obligés de se mettre d'accord derrière une seule personne, qui semble être la figure unificatrice de la tribu Boulou, qui est le fils de l'homme.
Mais seulement et seulement, lorsque vous regardez les deux candidatures ou alors les deux propositions, nous savons que Ngongo n'est pas soutenu par les Français pour beaucoup de raisons. Nous le savons. Nous savons que Ngongo est interdit de séjour aux États-Unis pour d'autres raisons. Donc, sur le plan international, Monsieur Ngongo n'est pas apprécié, plébiscité par les puissances qui ont la mainmise sur le Cameroun. Cependant, le fils de l'homme aurait l'avantage d'être comme un vierge politique, d'attirer dans ses figures. Mais que devons-nous faire? Quel est notre... C'est là où nous intervenons, nous les citoyens camerounais, parce que à la fin de compte, il s'agit de notre pays, de notre avenir, de notre devenir, de celui de nos enfants. Quel est notre rôle dans tout ça? Allons-nous accepter que quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie, un narcotrafiquant, quelqu'un qui a vendu le bois, dilapidé le bois de notre pays pendant plus de 40 ans, devienne président de la République? Allons-nous accepter une succession de père en fils comme si le Cameroun était un royaume dans notre pays? Et ce sera là que le peuple aura son mot à jouer. Parce que ce soit l'un ou l'autre, ils sont tous des imposteurs. Monsieur Ngongo, c'est un imposteur qui est en train de diriger le Cameroun à coup de signature à lui déléguée par Monsieur Biya. Il dirige le Cameroun sans être président. Il prend les décisions sans en avoir la légitimité du peuple. Et Monsieur Franck Biya, c'est un fainéant, flemmard, qui a passé toute sa vie à être entretenu par l'argent du contribuable et qui aujourd'hui pense que parce qu'il porte le surnom de son père, il peut diriger 30 millions de Camerounais. C'est là où nous allons nous lever et nous allons dire jamais plus de forfaiture, plus de vol, plus de viol de notre peuple. En 2018, la candidature Kamto a été une surprise pour tout le monde. Personne ne s'attendait au succès du président élu. Ça a été une surprise, une belle surprise d'ailleurs. Et je pense que c'est ça qui a choqué les Camerounais. Maintenant, 3 ans plus tard, Monsieur Kamto continue de tenir en haleine 30 millions de Camerounais qui analyse ses faits et gestes. Monsieur Kamto continue de tenir en haleine le gouvernement satrapique qui ne sait pas quel sera son prochain mouvement. Il est l'homme qui fait la météo politique. Il est celui qui donne la cadence. Il est celui qui donne le rythme de la danse. Le président Kamto, en 3 ans, a eu le temps, comme le colonel Sow le disait, de conscientiser, d'appeler à l'éveil des consciences des Camerounais, d'en appeler à la conscience politique. Il a fait que les Camerounais s'intéressent à la chose politique. Il a fait que les Camerounais s'éduquent sur la chose politique. Il leur a appris des termes tels que gré à gré. Il leur a appris des termes tels que... comment ça s'appelait encore là? Les audits. Il a appris aux Camerounais qu'ils ont des droits, qu'ils ont des devoirs. Le président Kamto, après 3 ans de lutte, peut dire, sans risque de se tromper, que le peuple commence à s'éveiller. Le travail est long, il est dur. Et c'est pour ça que certains sont attirés par la facilité qui est de se jeter dans la violence. C'est comme un enfant qui prépare un examen. Au lieu d'apprendre pendant que quelqu'un d'autre est en train de faire un travail studieux, en train d'étudier toutes ses leçons, de faire tous ses devoirs, de revoir tous ses exercices, l'autre dit non, 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 c'est trop dur, je ne vais pas faire ça, je vais tricher plutôt chez le voisin. C'est de ça qu'il est question. Le président élu a pris la méthode la plus longue, la plus difficile, la plus ténueuse pour aboutir au changement, parce qu'il s'agit d'un changement profond et non d'un changement à la tête. Parce que qu'est-ce qu'un coup d'État ferait? Ou alors une révolution armée ou une guerre civile? Elle va peut-être décapiter Monsieur Biya, mais ne changera pas profondément le système. Or, le travail de fond que le président élu est en train de faire, c'est un travail pour justement déraciner le système Biya. Pas seulement couper la tête de Monsieur Biya
au sommet de l'État, mais déraciner tout le système. Et pour déraciner tout le système, il faut retourner à la racine. Il faut travailler dès la base, au plus profond, pour monter. Et c'est ce travail de longue haleine, ce travail difficile que le président élu est en train de faire. Et il a besoin de nous pour l'aider dans cette tâche-là. Il a besoin de nous pour l'aider à creuser, pour déraciner le baobab qui est installé au Cameroun depuis plus de 30 ans, depuis plus de 40 ans. Si vous coupez les branches d'un baobab, en aucun cas vous ne l'avez tué. Les branches vont peut-être tomber, mais les racines seront implantées à 10 mètres sous terre. Et il va se régénérer. Le système BIA, implanté depuis plus de 40 ans, avec l'aide de la France, est plus qu'un baobab. Colonel So, quelles sont tes pensées là-dessus? Merci une fois de plus, ma grande. Vous avez expliqué des choses très importantes. Et je vais d'abord, pour ceux qui sont là, qui puissent comprendre que ce n'est pas un show life, que ce que nous sommes en train de dire, ils doivent s'imprégner de la situation afin de vivre consciemment et sachant qu'ils ont une nation. Ils ne sont pas des apatrides dans le monde. C'est ce que le système de BIA est en train de vouloir nous faire comprendre. Donc, on va aller en profondeur, ma mère. Vous savez que c'est un régime qui a toujours vécu avec une situation de pensée unique. Et dans la pensée unique, ils ont tué, vous savez très bien, l'UPC à l'époque, et Kaïdjo a instauré exactement le parti unique. Car tous, ils ont peur. Ils ont eu peur à l'époque, dans les années 40, lorsque notre père Oumyobé a déclenché les festivités. Parce qu'ils avaient compris que la nation était en danger. Ils ont eu peur car ils étaient dans un processus exactement de conscientisation. La même situation dont le président est lui en train de faire aujourd'hui. Et ça a pris. Et tellement ça a pris, comme le monde, comme l'époque était différente d'aujourd'hui, ils ont tout simplement éradiqué l'UPC pour les renvoyer dans le maquis. Donc, voilà la pensée unique qui a fait en sorte que Paul Biya arrive au pouvoir, que les Camerounais n'oublient pas que Paul Biya arrive dans une pensée et un parti unique. Ouais. Donc, les Camerounais n'avaient pas d'autres alternatives. Il n'y avait pas de choix. Et c'est pourquoi les progressistes, à cette époque, ont commencé à lutter pour ce qu'ils ont appelé le multipartisme. Parce que les Camerounais en avaient marre de la pensée. Donc, il faut d'abord que les Camerounais soient conscients de leur histoire pour comprendre comment est-ce qu'il a accédé au pouvoir, il n'est pas de Paul Biya, et la manière maintenant qu'il a choisi de mener le peuple camerounais. La dépravation, tout à l'heure tu as expliqué. C'est-à-dire qu'on, j'ai dit tout à l'heure qu'on veut tuer la conscience d'un peuple, on doit l'amener toujours au côté le plus passionnel. Et Biya a choisi, comme tu as dit tantôt, l'alcool, n'est-ce pas? Ils ont choisi les bikoussi porno. Ils ont tué là, la musique. Ils ont perverti d'une manière qu'aujourd'hui, c'est normal que les enfants se réunissent pour aller faire des parcours et qu'on voit que les sexes contraires sont en train de se mêler et sans état d'âme. Donc, c'est pourquoi je dis, l'éveil de conscience politique, ce n'est pas seulement une situation qui concerne ce qu'on appelle le pouvoir. Le pouvoir n'est qu'une branche de cela. Parce que dès qu'on prend conscience que nous sommes tous nés d'un père et d'une mère, à ce moment qu'on prend conscience, nous sommes tous dans cette existence. Et qu'on doit lutter, parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène transgénérationnel. Que ceux qui ont passé le temps, qui puissent léguer le savoir, qui puissent faire ce qu'on appelle la transmission. Mais vous voyez que Paul Biya a tout tué. Il y a quelques jours, ici, je parlais de ce qu'on appelle un politicien en occidental, et ce qu'on appelle un homme d'État. L'homme d'État est celui qui choisit la voie la plus difficile. Quand je dis la plus difficile, quand un peuple est zombifié, il faut beaucoup de travail pour qu'il y ait une transformation de paradigme, une transformation d'État.
de ta dette, n'est-ce pas? Donc, voilà la voie la plus difficile. Et vous avez vu dernièrement, tellement ce régime, ils sont conscients que c'est la conscientisation qui est l'âme fatale. Quand ils sont conscients que si le peuple, si le peuple prend conscience de ses responsabilités individuelles et collectives, ils sont à terre. Un exemple tout court, vous avez vu l'organisation des organes de base. Tout à fait. Quand ils ont compris que même au sein de leur parti politique, quand ils ont compris que les gens commençaient à comprendre le roubladisme et qu'ils ont décidé maintenant de changer le paradigme, ils ont tremblé. Ils ont envoyé les émissaires aller encore les calmer. C'est pour faire comprendre à tous ceux, parce que je vois quelques personnes qui écrivent là, j'ai dit que la violence, y a, le mot guerre est trop facile. Il faut que quand on parle de guerre, on comprenne qu'il y a le mot violence, il y a le mot haine, il y a le mot brutalité. Nous avons tous été petits, nous avons grandi. Tous ceux qui ne pouvaient pas s'exprimer d'une manière raisonnable, ils choisissent toujours la voie de la violence. Ils amenaient toujours les gens ancrés dans la violence pour qu'ils puissent s'exprimer. Quand ils ne pouvaient, ils n'avaient pas la capacité de débattre. Le débat, donc, c'est ça. Le débat, ça allait vers le peuple. Mais c'est comprendre que le peuple sache aujourd'hui qu'on ne doit pas se camoufler derrière le président. Il vient envoyer un message que chacun doit comprendre, s'imprégner, et accepter la réalité et être aussi parmi ceux qui vont accompagner le processus. Est-ce qu'on se comprend très bien? Tout c'est à fait. Un travail laborieux. Et il n'y a rien de plus important que ça. Le président élu a dit cash ici à Paris. Et également, j'ai suivi ton live où tu as répété cela. Où certains sont venus lui proposer. C'est un membre de l'armée. Il fait des propositions que mon chef, on a compris que c'est toi qui es dans la situation. Tu nous seras l'ordre et nous, on va tout dégager. Il les a fait comprendre qu'il a sa voix qu'il a choisie. Il a dit, ici à Paris, est-ce que ça vaut la peine donc d'aller par la brutalité et laisser toujours la conscience de ce peuple inerte? Donc voilà le travail d'un chef d'État. Le chef d'un homme d'État. L'homme d'État est celui qui se projette dans l'avenir. Donc il envoie, il lance la semence, et il arrose la semence, il accompagne la semence à grandir pour devenir un baobab, comme tu as dit tout à l'heure. Donc c'est sa transmission. Et c'était sur ce que c'est le peuple qui a toujours raison. Donc malgré tout ce qu'ils vont fabriquer dans ce qu'on appelle le gré à gré, ma mère, je peux te dire que nous sommes dans la bonne voie. Car ce n'est que la conscience nationale qui va décider prochainement du devenir de cette nation. Donc ils peuvent se mettre dans des clans et puis se bastonner là-bas. Ma mère. Pourquoi ils empêchent le président élu de pouvoir sortir? Tout à fait. De pouvoir aller continuer à arroser la semence. Parce qu'ils savent que c'est l'arbre, c'est l'arme fatale. Donc nous devons l'accompagner d'une manière sereine, d'une manière consciente. Nous devons accompagner ce processus. Puisque les Camerounais, dans la pensée unique, ont vécu une tragédie profonde en eux-mêmes. Tu sais toi-même, on sait que à l'époque, c'était difficile à un père ou une mère d'expliquer à son enfant, de le conscientiser pour qu'il prenne conscience de sa responsabilité. Non, il ne pouvait pas, puisqu'on les avait imposé le musulman. Tout cela est aujourd'hui déraciné. Donc, les faibles vont toujours envoyer ceux qui sont comme eux à penser rien qu'à la brutalité. Quand ils n'ont pas la capacité de pouvoir résister, ils n'ont pas la notion de... En fait, il faut d'abord être initié. Quand il n'y a pas d'initiation, il faut d'abord comprendre les enjeux. Il faut déjà avoir une projection de la nation que nous rêvons, que nous souhaitons, n'est-ce pas? Pour pouvoir aller et comprendre que la brutalité ne pourra pas régler la situation. Pour conclure, le Rwanda a joué cette situation de guerre. Ils ont compris que ce n'était pas la peine, n'est-ce pas? C'est quand ils sont revenus dans la paix, quand ils se sont réconciliés, quand ils ont fait le dialogue que le pays est aujourd'hui en train d'avancer, n'est-ce pas? Donc, Kagame a choisi cette voie de conscientisation, de transmission, d'éducation, et ils sont en train de marcher. Nous allons continuer ainsi jusqu'à ce qu'un jour, que nous soyons plus vivants, tant mieux pour nous. C'est une mission, c'est notre mission. Donc, on va le continuer jusqu'à ce que, même si après nous, comme les Wandje, ils avaient commencé, les Oumbe avaient commencé, nous sommes aussi en train de continuer. On sait que c'est la meilleure voie. On va continuer jusqu'au jour où ça va embraser toute la nation.
Et c'est le peuple donc qui décidera à un moment donné. Hein. Quand le peuple devient conscient de, ses responsabilités, quand il comprend que ceux qui sont au pouvoir, les ont toujours menti, hein, ce sont des roublards, ce sont des êtres malhonnêtes, hein, que la démocratie, à la formule occidentale, n'est qu'une nana, une utopie, hein, ils s'élèveront tôt ou tard. Mais ils continuent de se concentrer, ils vont choisir leur voie. Merci, ma mère. Merci. Merci beaucoup pour ton intervention, oh combien enrichissante. Je vais juste rajouter un peu d'eau à ton moulin en disant ceci. Ce n'est pas par hasard que le régime de Monsieur Biya a créé la notion de tribalisme. L'a engrainé dans le cerveau des Camerounais. Parce que Monsieur Biya et ses pontes, rappelez-vous qu'il a autour de lui plein de professeurs d'université qui sont ses idéologues. Lorsque les idéologues du régime Biya s'asseyent et réfléchissent aux méthodes de maintien du pouvoir, ils se disent que le Cameroun a quand même plus de 200 ethnies. Comment faire pour que les Boulou Béti maintiennent le pouvoir? Il faut dresser les tribus les unes contre les autres. Il faut dresser les tribus les unes contre les autres, exacerber la fibre tribale, de manière à ce que les Camerounais passent leur temps à se combattre les uns les autres, et pendant qu'ils se combattent, les autres restent au pouvoir. La méthode de diviser pour mieux régner, ils ont appliqué cette méthode, ils ont institutionnalisé le tribalisme au Cameroun, avec des idéologues du tribalisme comme Monsieur Joseph Owona, suivi bien sûr par son cher illustre fils Mathias Eric Owonangini, qui ont empoisonné l'esprit des Camerounais avec leur tribalisme. Maintenant, Monsieur Biya sait que, comme le colonel Saul a dit, il est en train de déconstruire la conscience collective. Il est en train de déconstruire la fibre communautaire. Il est en train de déconstruire le tissu social. Pour ce faire, il instaure le tribalisme, la division tribale, le protectionnisme des tribus, sachant que pendant que les Camerounais seront occupés à se battre les uns contre les autres, aucun ne s'occupera de ce qui se passe au pouvoir. Pendant que cela est en train de se faire, ils déconstruisent tout ce que M. Ahidjo avait mis sur pied pour faire du Cameroun un État prospère, un État civil, un État civique. On enlève l'éducation civique et citoyenne dans les écoles. C'est-à-dire, on arrête d'apprendre aux petits Camerounais comment aimer leur nation, comment servir leur nation. L'éducation civique et citoyenne que nous faisions à l'école n'existe plus. Les Camerounais ne s'intéressent plus à leur pays. Ils traitent leur pays comme si ils étaient des étrangers dans ce pays. On apprend aux Camerounais à être individualistes. Ça veut dire que chacun se sert avant de penser à la nation. On apprend aux Camerounais à ne plus se soucier du voisin, à ne plus se soucier de son prochain, de sa communauté, à ne plus prendre soin de sa communauté. Donc, à l'époque, on avait l'investissement humain tous les samedis, où nous tous nous sortions avec les houes et les haches pour désherber autour de nos maisons, nettoyer les rigoles. Au lieu de cela, on apprend aux Camerounais à jeter les ordures dans les rigoles, à salir leur environnement, à le traiter comme si c'était l'environnement de quelqu'un d'autre. Résultat des courses, les Camerounais deviennent déshumanisés. Les Camerounais ne sont plus capables de s'indigner pour le mal qui arrive à leurs voisins. Résultat des courses, le Cameroun est une poubelle à ciel ouvert. Chacun vit au Cameroun comme s'il était étranger dans cette terre. Résultat des courses, tout le monde se sert, mais personne ne sert la nation. Chacun se remplit les poches, mais personne ne remplit les caisses de l'État. Lorsqu'un enfant va à l'ENAM, et c'est d'ailleurs pourquoi on paye pour entrer dans les grandes écoles, parce que l'entrée dans les grandes écoles est le sésame pour la mangeoire. Parce que quand un enfant entre à l'ENAM, il y a la fête au village. On sait qu'en 2 ans, il va s'enrichir. Il va se remplir les poches. Donc, l'ENAM qui est censé former des fonctionnaires d'État, c'est-à-dire des servants du peuple, ce qu'on appelle en anglais civil servant,
Vous êtes là pour servir le peuple. Les Nams forment plutôt des voleurs du peuple. C'est-à-dire, les gens sont contents, ils font la fête lorsque leur enfant entre dans les Nams parce qu'ils savent que au bout de 2 ans, ils vont fêter leur premier milliard. Les gens entrent dans la fonction publique pour se servir et non pour servir le peuple. Voilà donc le Cameroun que M. Biya a justement entretenu. Et lorsque la corruption est devenue endémique, lorsqu'il était devenu impossible de cacher le niveau de corruption, au point où le Cameroun portait le maillot jaune, le pays le plus corrompu au monde, qu'est-ce que M. Biya fait? Il décide d'arrêter ses ministres et de les jeter en prison en estimant que ce sont eux tous qui sont des voleurs, mais lui, il est le plus propre. Lorsqu'un chef a autour de lui, tout le monde est méchant, tout le monde est mauvais et c'est lui le seul qui est bon. Est-ce que vous y croyez, vous? Vous y croyez? Si vous avez le chef d'une bande, d'un groupe, d'une unité ou de quoi que ce soit, qui, dont tout le monde part, tout le monde est jeté, tout le monde est mauvais et c'est lui le seul ange, c'est lui seul qui est bon. Vous y croyez, vous? Vous y croyez? Le premier bandit, le premier criminel, le premier voleur, le premier prévaricateur de la République, c'est bel et bien Biya Bimbondo Barthélémy. C'est bien lui. Et c'est lui qui montre la voie du vol, du viol à tous ses ministres et tous les fonctionnaires de l'État. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas seulement décapiter la tête de ce système, mais de le déraciner. Parce que lorsque le Cameroun va changer, on aura besoin de ces fonctionnaires, de ces policiers, de ces militaires, de ces agents d'État et tout ça. Mais il faudra que leur conscience soit déjà profondément changée pour qu'ils soient dans une autre logique, la logique de servir le peuple et non de se servir. C'est pour ça qu'il est important, il est même très très important, de faire un travail de fond, d'en appeler à la conscience intime des Camerounais. C'est pour ça qu'il est même important que ce combat dure. Il est important. Vous voyez qu'en 3 ans, les Camerounais commencent déjà à décrier, à se plaindre. Lorsque M. Martin Camus Mim viole une petite fille, il est sûr qu'avec ses relations dans le pouvoir, ses relations dans le monde du showbiz, il sera intouchable. Mais c'est justement le travail qu'on a fait. Le travail de conscientisation, d'éveil, d'alarme, d'alerte. Qui a fait à ce que ce monsieur soit enfin traîné devant la justice et jeté en prison? Parce que ces gars étaient habitués à faire ça. Ils l'ont fait. Ces groupes de viol des enfants existent depuis des années. C'est des choses que les Camerounais faisaient parce qu'ils étaient tout puissants, ils étaient intouchables, ils se croyaient tout permis parce que le système avait installé une atmosphère de chaos où chacun des pontes, où les amis des pontes pouvaient faire n'importe quoi. Au Cameroun, vous vous rappelez, c'est chacun qui disait, tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Justement parce que les gens se sont crus intouchables. Justement parce que le système a installé un climat d'impunité. Mais aujourd'hui, grâce au petit travail, des petites fourmis que nous avons fait avec le président Kamto depuis 3 ans, les gens sont de moins en moins intouchables. Les gens commencent à être présentés devant la justice. Les gens commencent à faire attention avant de faire quelque chose. Et le travail ne fait que commencer. Nous devons le continuer. Nous devons continuer. C'est un travail qui est épuisant. C'est un travail qui paraît anodin. C'est un travail qui paraît vain parce que les résultats ne sont pas visibles tout de suite. Mais c'est un travail qui est en train de porter à coup sûr. Et l'apothéose. L'apothéose du travail de conscientisation, d'éveil du peuple sera lorsque ce peuple dira « Nous en avons marre, nous en avons assez, on a trop souffert, on ne veut plus de vous. » Ce sera l'apothéose de ce travail de conscientisation, d'éveil, de réveil du peuple. Et vous voyez qu'aujourd'hui, les Camerounais commencent à se rendre compte de leur misère. Parce que s'il y avait une tentative de renversement du pouvoir il y a de cela 3 ans, alors que les Camerounais ne commençaient pas encore à ressentir la souffrance économique, ne commençaient pas encore à ressentir les souffrances, les injustices, les souffrances politiques. Ils allaient dire que nous voulons voler le pouvoir. Mais non, il faut les laisser vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Il faut les laisser ressentir ça dans leur chair. Lorsque nous avions dit ici,
En 2020, que l'épidémie de corona arrivait, qu'est-ce que le gouvernement de M. Biya dit? Il a fait passer des vidéos pour dire que le corona, c'est la maladie des Blancs. Il montrait des gens dans les boîtes de nuit en disant que non, le corona, c'est pour les Blancs, ça n'arrivera jamais ici. Mais lorsque la pandémie de COVID a commencé à tuer les Camerounais et continue de tuer les Camerounais, ils se sont rendus compte que c'était une réalité. Les gens ont découvert seulement avec les cadavres dans leur famille que le corona, c'était une réalité. Et c'est la même chose que nous disons pour ce qui se passe au Cameroun. Nous disons que l'inflation va rendre la vie impossible au Cameroun. Nous disons que la crise économique va rendre la vie impossible au Cameroun. D'ailleurs, les gens le voient déjà, l'augmentation des prix des matières de première nécessité, le panier de la ménagère n'est plus accessible. Donc, les gens commencent petit à petit à se rendre compte, bien sûr que pour le moment, parce qu'ils arrivent encore à manger et à boire, ils ne sortent pas. Mais le moment va arriver, comme nous l'avons vu au Zimbabwe, où les gens n'étaient même plus capables de payer le transport pour aller au travail. Les gens n'étaient même plus capables d'acheter un bout de pain. C'est quand la famine les a touchés, et la famine a touché tout le monde, pas seulement les civils, même les militaires. C'est quand les militaires ont été touchés par la famine qu'ils ont dit à Mugabe, trop c'est trop, on te met en résidence à Sigué. Bon, le Cameroun, il faudra que tout le monde, y compris les militaires, tout le monde va ressentir la misère, la souffrance, parce que c'est inéluctable. Vous ne pouvez pas avoir un pays qui importe plus de 90% de sa consommation. Un pays où on produit, où il y a du bois, il y a de l'uranium, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a de l'or, il y a de la bauxite, il y a un peu de tout. Il y a même du café, du cacao, de la banane. Mais ce pays accomplit l'exploit d'importer plus de 90% de sa consommation. Et lorsque vous importez ce que vous consommez, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous êtes vulnérable aux augmentations, aux fluctuations des prix des commodités à l'extérieur du Cameroun. Lorsque vous dépendez de quelqu'un pour manger, vous êtes sujet au changement de conditions de cette personne-là. Ça veut dire aujourd'hui que je prends l'exemple, un exemple très concret et terre à terre. Je suis une femme, si, admettons que je suis sans emploi. Je suis une femme au foyer. Donc, pour manger, je compte sur mon époux pour ramener de l'argent à la maison. Le jour où mon époux perd son emploi, je n'arrive plus à manger. Le jour où le salaire de mon mari diminue, je n'arrive plus à manger. Et c'est comme ça que le Cameroun est aujourd'hui. Le Cameroun est une prostituée économique. Le Cameroun, je suis désolé, est une prostituée économique. Le Cameroun va devant la Banque mondiale et tape la main. Le Cameroun va devant le FMI et tape la main. Le Cameroun va devant la France et tape la main. Donc, ça veut dire que le Cameroun est important, donc, du riz, important le maquereau, important tout ce que les gens mangent tous les jours, le lait, alors que nous avons les vaches au nord, que personne en 40 ans n'a pensé à développer l'agriculture, l'élevage des bovins pour que nous soyons capables de produire notre propre lait. Non, on importe le lait en poudre frélaté venant de la Chine, venant de l'Italie, venant de n'importe où. Et c'est avec ça que les Camerounais se consomment. Donc, lorsque le prix des commodités que nous importons augmente, ce prix forcément devient plus cher sur le marché, dans nos marchés et dans nos supermarchés. Nous sommes comme ça victimes et même dépendants de l'économie mondiale. Je suis désolée, tel est le cas. Tel est le cas. La CDC, qui était le deuxième plus grand employeur au Cameroun après la fonction publique, est à terre. La Sonara est à terre. Et donc, aujourd'hui, quels sont les mécanismes qui sont là pour soutenir l'économie de ces pays qui continuent donc de dépendre de l'extérieur? La seule chose, et je répète encore, la seule chose qui permet au Cameroun de maintenir un tout petit peu l'équilibre, c'est la parité et la zone de protection que lui offre l'euro par rapport au franc CFA. C'est la seule chose. Sinon, la monnaie aurait été dévaluée et dévaluée et redévaluée. Ceci n'empêche pas que, en contrepartie maintenant, le Cameroun soit dépendant des fluctuations des taux de change des monnaies extérieures, notamment de l'euro. Le Cameroun soit victime et même
dépendent des augmentations des prix de commodités à l'extérieur. Et ça aura une incidence sur notre économie qui n'est pas en train de croître. Je suis désolée. Le système économique n'a pas de mécanisme justement pour amortir tout cela au Cameroun. Je suis désolée. Conséquence, le prix du gaz augmente, le prix du pétrole augmente, le prix du sac de ciment augmente, le prix du kilo de viande. Parce que si le prix du pétrole augmente, ça veut dire que le carburant pour aller transporter les bœufs de Ngaoundéré à Douala va augmenter. Conséquence, le prix du kilo de viande va augmenter. Combien de Camerounais aujourd'hui sont capables de s'acheter 1 kilo de bœuf dans leur foyer? Je ne pense pas que beaucoup. Et vous pensez que les gens ne souffrent pas de ça? La seule chose qui maintient encore le peuple dans ce semblant, parce que le peuple camerounais n'est pas léthargique, hein, dans ce semblant de léthargie, c'est l'armée et la milice de M. Biya. C'est la seule chose qui maintient encore le peuple dans un semblant de léthargie. Les Camerounais sont conscients du fait qu'ils sont calmes parce qu'on réprime tout ce qu'ils veulent exprimer. M. Biya a instauré un climat de peur. Les Camerounais ne l'aiment pas, mais ils ont peur. Ils font semblant. Et ils le savent. Ils savent que le Cameroun, c'est un volcan en ébullition. À la surface, vous avez l'impression que les Camerounais sont contents, ils boivent la bière, ils ne font rien. Mais allez parler aux Camerounais. Allez leur demander leur quotidien. Tous les Camerounais sont mécontents de la façon dont le pays est géré. Tous les Camerounais sont contents, sont mécontents de leurs conditions de vie. Et vous pensez que ce peuple ne se lèvera jamais? Il va se lever lorsque le moment sera propice. Il va se lever lorsque toutes les conditions seront réunies. Parce que, comme on dit, nous faisons notre travail, le président élu fait le sien. On peut amener un cheval à la rivière, mais on ne peut pas forcer le cheval à boire. On peut mettre la marmite au feu, mais on ne peut pas forcer la viande à cuire. Il faut mettre le feu, mettre le feu, mettre le feu, jusqu'à ce que la cuisson arrive. Donc, c'est ce travail qu'on est en train de faire. Et si par mégarde, des gens s'impatientent et trouvent que c'est trop long, comme j'ai entendu certaines personnes dire que 2025 c'est trop loin, il faut prendre les armes pour chasser Biya, eh bien ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre le Cameroun dans une situation chaotique. Vous allez mettre le Cameroun dans une situation, vous-même vous allez perdre le contrôle parce que vous n'avez pas les moyens. Parce qu'au Cameroun en ce moment, vous avez beaucoup de ministres, d'anciens ministres qui sont même en prison. Beaucoup qui ont eu le temps d'amasser beaucoup d'argent, beaucoup d'armes, qui ont eu le temps de former des milices, qui ont même les moyens d'aller à l'étranger amener les mercenaires pour mener une guerre armée. Vous-même, les révolutionnaires armés, vous serez mis de côté. Ces gars sont trop puissants, ils ont trop d'argent. Ils ont trop d'argent. Vous voyez un monsieur comme Marafa Amidou Yaya, vous savez combien de milliards ce monsieur a? Vous savez combien, quelles sont ses connexions? C'est un monsieur qui a quand même été à la tête de l'État et qui a eu des plus grandes relations. Vous savez ce qu'il a préparé pendant qu'il était en prison, vous ne savez pas. Mais vous voulez amener les armes. Et ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Est-ce que vous savez, pendant que Monsieur Mbengo était à la Défense, combien d'armes il a détournées de l'armée nationale? Où est-ce qu'il a planqué ses armes? Est-ce que vous savez quelles sont les milices qu'il a pu recruter pour justement mener la guerre au Cameroun lorsque le chaos sera installé? Vous ne le connaissez pas. Mais vous dites qu'avec vos petits laitiers, vous allez aller créer la guerre et que ça va. Arrêtons un moment, arrêtons-nous un moment et examinons la situation socio-politico-économique au Cameroun. Et regardons un peu quels sont les acteurs et les enjeux. Il y a tellement de situations qui peuvent créer un chaos, une explosion au Cameroun au point où personne ne maîtrisera même plus la situation. Personne ne maîtrisera, même l'armée de Biya ne maîtrisera plus parce que l'armée est profondément divisée, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Il y a une partie de l'armée qui est fidèle à Monsieur Ngongo. Il y a une partie de l'armée qui est fidèle à Monsieur Frambia. Il y a une partie de l'armée qui est fidèle à Monsieur Mbengo. Il y a une partie de l'armée qui est fidèle à Monsieur Marafa Amidou Yaya, les Nordistes, ainsi de suite. Et vous allez venir donc à, c'est-à-dire vous avez le carburant dans une salle et vous venez seulement avec la lumière, et vous partez. Ça prend feu. Vous ne maîtrisez plus rien. Vous ne maîtrisez plus. Parce que quand ça prend feu là,
C'est chacun s'assoit, c'est chacun pour soi. Maintenant, les bandits qui étaient cachés peuvent sortir des bois et faire ce qu'ils ont à faire. Ce sera la loi du plus fort. Ce sera la loi du plus fort. Lorsque le chaos va s'installer, ce sera la loi du plus fort. Et le pauvre peuple n'aura plus de pouvoir, malheureusement. Le peuple n'aura plus de pouvoir. Ce sera le plus fort qui va imposer sa loi. Raison pour laquelle le président Maurice Kamto, au vu de tout cela, a refusé la voie facile des armes. Le président Maurice Kamto a refusé la voie facile parce qu'il sait que c'est un explosif. Il sait. Il sait que le Cameroun est une poudrière en attente d'explosion. Il a choisi la méthode qui met donc tous ces bandits en jeu. Il a choisi la méthode qui met tous ces bandits en jeu, mais qui met aussi le peuple en avant. Parce que l'action de l'appel du président élu a le peuple à son cœur, a le peuple à son centre. N'écoutez pas les discours où on vous dit que Maurice Kamto était rentré de la diaspora et il a, les millions de Camerounais sont sortis et il leur a dit retournez chez vous et attendez le signal et que depuis là on attend. Donc le changement dans la paix veut dire qu'on s'assoit, on attend et on attend le signal ou alors les élections. Non. Le changement dans la paix veut dire que c'est le peuple qui va décider de son changement. Le changement dans la paix veut dire qu'on remet le pouvoir au peuple. Et c'est ce peuple qui, par des moyens, qui lui conviendrait, se débarrassera de toute la dictature. Le changement dans la paix veut dire que le peuple est souverain. D'ailleurs, le président l'a dit. Il a dit que s'il y a encore une tentative de vol, de détournement de la volonté du peuple, alors lorsque ce peuple va se lever, il se tiendra aux côtés du peuple. Est-ce que vous avez entendu ça? Il se tiendra aux côtés du peuple. Et il a dit, je ne vous trahirai jamais. 3 ans de combat, le président Kamto n'a pas encore abandonné son peuple. Il y en a qui m'ont dit, oh le président Kamto, si bientôt il va se fatiguer, il va quitter, il y aura qui? Mais attendez, le président Kamto n'a même pas encore commencé son combat et vous parlez de se fatiguer? Le président Kamto n'a même pas encore. Il est serein. Et c'est ça qui fait peur au régime. Ce monsieur est serein. Il est serein. Il nous avait dit à Paris, je sais exactement où on va. Il est serein. Le président Kamto est serein. Que le régime qui utilise le marteau pour cogner, qui ne sait rien faire d'autre que cogner, comme le colonel Sola dit, ils sont incapables de débattre, d'offrir un débat d'idées. Tout ce qu'ils savent faire, c'est la violence. C'est violenter, arrêter, tabasser, jeter en prison, au CED, bam cui qui décapite les gens, bam cui qui met le courant sur les testicules des gens. C'est tout ce qu'ils savent faire. Mais à la violence, le président élu leur oppose le calme. Lorsqu'Atanga disait qu'un petit sous-préfet va résoudre le problème de Kamto. 2 ans plus tard, Atanga Ndji qui a disparu et les préfets s'alignent quand Kamto passe. Calmos. Calmons-nous. Calmons-nous. Dans le calme, dans la paix, dans la sérénité. Calmos. Quand ils viennent avec le tchavoum, tchavoum, force reviendra à la loi. Président dit calmos. On arrête. On a arrêté 10 000. On a arrêté 1 000. On a mis en prison. On a arrêté Bibounissa. Le président dit calmos. Calmons-nous. Allons seulement. Allons. On y va. Allons. Oh, oh, les prisonniers. Oh, non, non. C'est vrai, c'est difficile. Ça fait mal. On doit les entretenir. Ça devient lourd à porter. Mais calmos. Allons seulement. Allons. Allons seulement. Allons seulement. Et vous voyez qu'au fil des années, ils s'épuisent. Ils sont fatigués, ils ne savent plus quoi faire, ils ont arrêté, ça n'a rien changé, ils ont brutalisé, ça n'a rien changé, ils ont tout fait, ça n'a rien changé, ils ont intimidé, ça n'a rien changé, et nous on continue seulement notre travail. On continue, on ne se fatigue pas, on continue,
On continue seulement notre travail. Ils ont pensé qu'ils allaient nous avoir à l'usure, que si le combat s'enlisait, on allait se décourager, on allait abandonner. Les esprits faibles se sont découragés. Les esprits faibles ont abandonné le combat. Les esprits faibles se sont assis, ils ont dit que mieux bien plein encore. Mais nous continuons. On continue le combat. Et tant qu'il y aura des Camerounais debout, comme vous, comme moi, comme le colonel So, pour continuer ce combat, alors nous savons que nous allons à coup sûr, à destination, dans la destination que le président élu est en train de nous montrer. Nous savons que le régime de Biya ne peut plus tenter une forfaiture, ne peut plus s'amuser parce qu'il y a des Camerounais qui veillent au grain, matin, midi, soir, dans les groupes de travail, à minuit, il y a les combattants qui sont debout. À 1h du matin, il y a les combattants. Les gars se veillent au grain. Tout ce qui se passe au Cameroun, nous sommes au courant à l'heure, à la minute, à la seconde. Nous veillons au grain. On ne lâche rien. Et nous sommes debout. Nous continuons d'éveiller le peuple. Nous continuons de conscientiser. Récemment, vous avez vu, il y a quelqu'un qui nous avait dit que le MRC a 2 millions de Camerounais et que le reste des 28 millions était acquis à je ne sais qui. Mais récemment, vous avez vu l'annonce qui disait que le MRC a désormais 6 millions de militants au Cameroun. 6 millions, c'est pas quand même insignifiant. 6 millions, nous approchons 10 millions. Nous approchons bientôt 10 millions. Et si vous avez 10 millions de Camerounais qui adhèrent à un parti politique, sur 30 millions, ça fait quand même un tiers de la population. Bon sang, ce n'est pas négligeable. Ça, c'est un travail qu'il faut féliciter, qu'il faut encourager, qu'il faut même continuer. Parce que lorsque nous aurons beaucoup de Camerounais qui vont comprendre l'idéologie, qui vont adhérer à cette idéologie, nous avons un potentiel énorme de nuisance. Nous avons un potentiel énorme de révolte. Et ils le savent, le RDPC le sait, le gouvernement le sait. C'est pour ça que Kamto leur fait peur. Parce que même étant embassillé, même étant interdit de parole, même étant interdit de réunion, ce monsieur ne fait qu'accroître ce nombre de militants. Même comme les autres sont en prison, croyant qu'ils vont jeter les gens en prison et décourager les gens à entrer dans le MRC, les Camerounais ne font qu'entrer dans le MRC. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est important et pour ça que je me bats farouchement, bec et ongle, pour protéger ce parti politique. Parce que c'est le seul qui continue de se battre férocement contre la dictature de M. Biya. C'est pour ça que le MRC, lorsqu'on le touche, on m'a touché. Parce que je sais que c'est un instrument de la lutte. Parce que je sais que c'est lui qui, sur le terrain, va peser sur la balance. Ce sera le MRC qui va peser sur cette satanée balance. Raison pour laquelle nous allons protéger ce parti politique, coûte que vaille. Et nous savons que le MRC Europe est le moteur de tout le MRC. Et quiconque essaie de décapiter le MRC Europe veut décapiter tout le MRC. Nous allons nous battre bec et ongle pour protéger cet instrument. Parce que pour moi, je ne suis pas membre du MRC, mais le MRC c'est un instrument de la lutte pour moi. Parce que sur le terrain au 237, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun autre parti politique, aucun autre mouvement de la société civile, aucun autre qui se bat contre ce satané régime comme le MRC est en train de le faire. Aucun. Je mets au défi quiconque va me montrer celui qui a payé le prix lourd et qui continue de payer le prix lourd, qui continue de recruter, qui continue de conscientiser comme le MRC le fait sur le terrain. Je mets au défi. Je mets au défi. Donc, le changement dans la paix, tel que prôné par le président élu, est la solution idoine pour éviter les embrouilles, le chaos, une situation fluide que les membres du gouvernement veulent créer en voulant jeter des éléments pour une violence, une guerre civile au Cameroun. Une guerre civile sur fond de tribalisme. Hein? Est-ce que vous vous rendez compte? Lorsqu'il y a guerre civile et qu'il n'y a pas de tribus impliquées, c'est une chose. Mais au Cameroun, nous avons un climat toxique entretenu par M. Biya dans le terme du tribalisme ambiant. Une guerre civile au Cameroun aboutira à coup sûr à un nettoyage ethnique, comme ce qu'on a vu au Rwanda, comme ce qu'on a vu au Burundi. Nous ne voulons pas de ça. C'est pour ça qu'on dit aux Camerounais, restez calmes.
Restez calme. La paix et rien que la paix. La paix va les fatiguer. La paix et rien que la paix. Parce qu'à un moment donné, ils seront obligés de dire au peuple que Biya est mort, ou qu'il n'est plus, ou qu'il est incapable de diriger et qu'il faut un nouveau dirigeant. Ils seront obligés de le faire. Et c'est là où le match va se jouer. C'est là où le match va se jouer. Ils ne peuvent pas garder Biya dans un état végétatif pendant 10 ans. Ils ne peuvent pas. Le match va se jouer. C'est là où ça va se jouer. Ouais. Vous êtes pressés pourquoi? Ils seront obligés de nous dire où est Biya. Le match va se jouer. Vous courez dans le sac. La course de l'enfant, c'est le matin, dis donc. Calme-toi et calme. Hein? Il est serein. Il écrit ses livres, il écrit ses poèmes. Il dit, la paix, temporisons. On temporise. On fait deux passements de jambes, on temporise. Yapstam, le défenseur central de l'autre côté avec sa grosse tête, il vient avec le tacle, vous. On lui met le moukwata, il tombe par terre, lui-même il se casse les reins. On temporise le ballon. On temporise. Le défenseur Atangandi, défenseur maçon, il vient là en courant, vrr, tacle, ciseaux, les deux jambes à l'air, tacle aérien. L'ailier volant imitant l'oiseau naturel, Kamto, fais seulement une petite feinte, vous. Voilà le défenseur brutal, maçon, qui tombe, il se casse le pied, lui seul. Personne ne l'a touché. Personne ne le touche. On continue seulement sereinement. Sereinement, on continue. Et c'est la sérénité là qui fait mal, qui fait peur. Parce qu'ils ne savent pas ce que Kamto prépare. Ils ne savent pas sur quoi Kamto compte. Lorsqu'on demande à Monsieur Kamto, vous n'avez aucun député, vous n'avez, il dit, allons seulement. Allons seulement. Vous avez peur de quelqu'un qui n'a aucun député, aucun maire, qui n'a rien, mais vous avez peur de lui pourquoi? Ils ont dit que le MRC, c'est un parti politiquement mort, que Kamto est mort politiquement, qu'il est fini, le MRC est un petit parti mort. Mais c'est lui qui fait autant peur. Allons seulement, calmos, calmos, dans le calme, dans la sérénité, on continue. C'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Et la gare, là, n'est plus loin. Moi-même, je vois derrière la gare. Moi-même, je vois déjà la gare. Et vous doutez? Celui qui doute tape ici. Celui qui doute tape ici. Moi-même, je vois derrière la gare. Je vois la gare. Oh, vous embrouillez pourquoi, mon frère? Dans le match de foot, quand tu joues la finale, si tu mets toute ton énergie en première mi-temps, deuxième mi-temps, tu commences à courir sur place. Tu commences à courir sur place. Tu vois, l'avant-centre, on lui fait la passe. Lui rentre plutôt de redonner son milieu de terrain au lieu de courir marquer le but. Prolongation, alors ils sont déjà tous pourris. Ils sont pourris. Ils ont déjà fait les remplacements avant la fin du match. Ils sont déjà tous pourris. Alors que nous, on a les réserves comme ça. On a les réserves. L'avant-centre, il temporise. Temporise le ballon. Temporise. Nayo, nayo, doucement. Doucement, on y va. Ndambadé Fosenta. Le gars a porté la godasse depuis 2018. C'est les feintes de ça que vous voulez voir. Poupou, petit Zola de Kamto. Tout le monde crie. Il a fait comment? Poupou, Kamto est déjà à Paris. Il a fait comment pour arriver à Paris? Il a fait comment? Le gars est en train de vous gérer dans le ciel. Petit pont. Petit feinte. Atangandi ne voit plus rien. Il a envoyé les serpents, mais les serpents se sont renversés. C'est chaud. Colonel So, tu vas intervenir. Les gens aiment le reportage du ballon là. Allô, ma soeur. Oui. Je te mets en ligne. Oui, c'est très impressionnant tout ce que tu essaies de nous. On va pousser aussi les points spirituels. Voilà. Donc, il y a quelque chose de très important que on doit déjà, en tant que citoyen individuel, hein, parce qu'il faut qu'on comprenne bien que la notion de la politique et la démocratie, selon les définitions qu'ils ont exposées dans cette nation, ne sont que des contenus vides. Voilà, parce que
Je le dis toujours, peut-être dans les textes occidentaux, il y a un contenu, mais qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la capacité de pouvoir l'appliquer. Donc, cette notion de démocratie doit être revue. Et en tant que citoyen, donc, notre réveil consiste d'abord à pouvoir penser plus à la notion de la nation. Parce que sinon, on va tomber dans un piège et on va continuer notre vie dans ce système de conditionnement que le système a déjà élaboré en place. Vous voyez-vous que dans l'ensemble, lorsqu'on parle de la politique au Cameroun, on expose plutôt l'être, un homme, au lieu d'exposer ce qu'on appelle l'idéologie, le programme, et qu'on se base aussi sur ce qu'on appelle la notion de valeur, donc la notion d'amour, parce qu'il faut d'abord aimer d'abord son semblable. C'est l'amour du semblable qui se manifeste dans le global avec l'amour de la nation et même du continent. Parce qu'on a fait comprendre dans le système bien que la politique était quelque chose de tellement complexe et compliqué qu'il ne fallait pas surtout tenter même de penser. Il faut plutôt venir lorsqu'on vous oriente. L'orientation, c'est la suite du conditionnement. On vient vous faire des propagandes et qu'on vous expose, on vous utilise pour aller faire ce qu'on appelle le vote. Donc, nous, citoyens, je m'adresse comme ça, nous devons transcender cette dimension et ça va nous permettre de ne plus voir les citoyens ou les hommes d'État en fonction de leur tribu. Parce que ça va nous permettre de casser cette barrière que Biya a mis et que ça aveugle beaucoup de certains même qui soutiennent la révolution et parfois ils s'ancrent dans cette même folie. Ce n'est pas différent de ceux qui sont en train d'interpeller le peuple par leur faiblesse, parce qu'ils veulent à tout prix jouir des avantages de la révolution qu'ils appellent maintenant à aller dans ce côté de la guérilla, révolution guérilla. Nous optons pour cette prise de conscience qui va permettre ce décon, qui va permettre au peuple de pouvoir sortir de cette matrice. Hein, de pouvoir sortir de la caverne. Et franchement, parce que je ne crois pas quelque chose de plus profond que ça. Dans la politique, il faut que le peuple camerounais sache que c'est un droit inaliénable selon la formule qui est là aujourd'hui. Et que la politique ne concerne pas seulement la personne qui viendra se présenter le jour du vote. Il faut qu'on voie combien, qu'on parle du bilan. On doit comprendre que la politique concerne tous ces aspects. Ce n'est pas l'homme qu'on vient vanter en disant que l'homme lion, l'homme qui est haut. Non. Qu'est-ce que tu as fait de la pédagogie? J'ai tué. Qu'est-ce que tu as fait de la santé? J'ai tué. Qu'est-ce que tu as fait des usines? J'ai tué. Qu'est-ce que tu as fait des routes? J'ai tué. Donc, on comprend que le Camerounais ne veut plus parler de bien en pensant même un instant. Ni lui, ou son régime, ou son système. Un instant que ils peuvent encore avoir même l'audace de pouvoir se présenter à une élection. À part si le Camerounais va vouloir se baser tout simplement dans l'aspect de la personne. On va dire que c'est le président, il est président et puis c'est comme ça. Non, ça ne nous avantage pas. Ça ne nous fait pas progresser dans le processus. Ça ne nous donne pas la créativité pour qu'on puisse faire comprendre au peuple exactement pourquoi Biapol et tous ceux qui sont autour de lui, tous ceux qui le support sont les dangers pour la nation. On dit bien la nation. Donc, c'est ça la voie. C'est ça le chemin. C'est ça le processus. Parce que vous savez qu'un processus arrive toujours à son terme. Ça dépend de notre détermination. Et le président, il l'avait bien dit ici, et tu l'as expliqué tantôt. Il sait où il va. Et tout dépendra, quand on parle du moment, il est tout dépendra du peuple camerounais. Beaucoup ne comprenaient pas à cette époque-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec cette restauration de la conscience que nous-mêmes, en tant que révolutionnaires, nous avons eue, nous avons compris qu'on doit casser toutes les barrières, qu'on doit transcender les positions partisanes et qu'on doit se concentrer sur la vérité et rien que la vérité. C'est l'émancipation de la nation qui sera importante pour nous.
Nous savons aujourd'hui que, on a parlé tantôt, puisqu'on parle de politique, il faut un instrument qu'on appelle un parti politique. Nous savons que voilà l'instrument de la vérité. Et le président élu lui-même a dit dans un discours que le NRC est le serviteur du peuple camerounais. Donc, je profite de l'occasion ici là pour dire, parce que le système aussi a beaucoup fragilisé certains qui étaient en train de monter les consciences pour aller dans la voie de la vérité. Je vais dire aux NRC qui sont là, continuez à faire vos cotisations. N'entrez plus dans les jeux. Les jeux machiavéliques du pouvoir. Ils sont là exactement pour vous encourager à pouvoir abandonner votre mission. Le parti a besoin des moyens pour la survie, non seulement de la résistance, mais aussi pour entretenir ceux qui sont tous les jours embrigadés, en otage au niveau des budgets. Donc, continuez à vous mobiliser, continuez à financer. N'écoutez plus le mensonge étatique. N'ayez plus une pression par rapport au temps, car tout dépendra des manières, de la manière, tout dépendra de la façon, de la stratégie et de la pédagogie qu'on va exprimer au peuple pour qu'ils puissent être des responsables. Donc, je vais finir avec ce qu'on appelle la guerre. Ils ont vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà que Alassane Ouattara, lui, avait choisi la voie de la guerre. Et il a utilisé exactement le principe tribalistique pour pouvoir être basé au nord de la Côte d'Ivoire. Voilà que Alassane Ouattara est ancré à la magistrature suprême en passant par la guerre. Mais force est de constater que Alassane Ouattara n'est pas un homme libre dans sa nation. Alassane Ouattara ne peut pas avoir le courage de sortir comme Kagame chez lui, comme Poutine chez lui, comme Gbagbo qui marche partout. Parce que dans sa conscience, et lui-même le sait, et puisque après ces élections, le seul mot qu'il a commencé à faire sortir et à mettre en avant, c'est le dialogue. Mais après avoir endopé, après avoir tué la Constitution, après avoir tué les institutions, vous voyez que malgré qu'il a ancré au pouvoir, qu'il a corrompu les partis politiques, qu'il a corrompu l'armée, qu'il a corrompu le peuple, jusqu'aujourd'hui, il sent qu'il y a un mal, il y a une blessure qui n'a pas été cicatrisée. Donc c'est la voix des faibles. Lui-même est conscient aujourd'hui qu'il est faible. Nous avons vu donc des membres dans sa roubladiste, lorsque Gbagbo vient pour sortir, qu'elle est venue présenter son nouveau parti, il est parti appeler maintenant à Fingessan pour le corrompre, afin qu'il puisse jouer contre le peuple ivoirien. Donc n'entrons plus à ces gènes politiques à l'occidental. Acceptons que nous avons nos réalités, nous avons nos principes, nous avons une histoire et qu'on va se baser dans cette histoire pour pouvoir avancer. Et que ceux qui sont fâchés parce que le président élu est aimé par le peuple, Foucault est là. Ils n'ont qu'à faire ce qu'il y a à faire. Donc, ma soeur, merci beaucoup pour la parole. Merci. Merci beaucoup, mon colonel. Alors, juste pour vous rappeler que l'antenne est ouverte. 0044 780 459 46 14, 0044 780 459 46 14. Il y a des gens qui disent que comme tout fait sa part et que nous devons faire notre part, et donc dans leur imaginaire, dans leur esprit, notre part c'est d'aller casser, brûler, tuer et faire de la violence. J'aimerais rappeler à tout le monde que chacun peut faire sa part d'une façon ou d'une autre. Notre part est d'accompagner le président élu dans son idéologie de changement dans la paix. Alors, quel est notre rôle dans le changement dans la paix? Notre rôle est de continuer de garder le peuple éveillé, debout, en continuant de l'informer, de le conscientiser comme nous le faisons ce soir, mais aussi en redoublant d'ardeur sur le terrain, en reprenant les mobilisations géantes qui, justement, galvanise le peuple au 237 et leur disent que nous sommes debout, nous sommes prêts à entrer en action dès que vous entrez en action. Et c'est d'ailleurs ces actions, ces manifestations de la diaspora qui ont donné la niaque, le courage, la verve aux combattants du 237. Donc c'est ce que nous comptons faire, nous comptons donc ainsi
continuer de galvaniser les troupes au 237 en remobilisant les troupes justement en diaspora. Et vous voyez aujourd'hui, il y a des nouvelles dynamiques qui se forment. Le colonel Saul, Kamoa la Panthère, Salomène Tchapchet, Villageoise du Kouat, ainsi de suite. Nous avons compris que notre rôle justement, c'est de continuer de garder la flamme en diaspora afin que celle-ci, le moment venu, rallume l'étincelle au 237 et accompagne justement les combattants. Parce que nous sommes conscients du fait que nous sommes en diaspora et donc par conséquent à des milliers de kilomètres de notre cher et beau pays. Et lorsque nous adhérons au changement par la paix, ça veut dire que nous accompagnons notre président élu et nous faisons notre part. Notre part qui est de mettre notre petit ingrédient dans la sauce du changement dans la paix. Notre petit ingrédient, c'est quoi? C'est l'éveil du peuple, sa conscientisation, sa mobilisation. Et je félicite ici l'alternance Sekamto qui est en train d'abattre un travail phénoménal sur le terrain au 237, qui va de village en village, qui sensibilise les Camerounais sur les conditions, sur le changement, sur la politique. Je vous félicite vraiment pour le travail de fond que vous abattez sur le terrain, parce que vous êtes implanté sur le terrain au 237. Merci pour ce travail de fond que vous abattez, et vivement que beaucoup d'autres vous rejoignent. Je remercie ainsi United for Cameroun, qui a rejoint le terrain au 237, qui mène des actions qui sont reconnues à l'échelle nationale au 237. Et c'est ainsi que nous allons continuer de mobiliser, de sensibiliser, de conscientiser le peuple, le mettre debout et prêt à entrer en action le jour J, le mettre debout et prêt à répondre au signal qui sera émis lorsque le gouvernement essaiera de voler encore une fois les élections ou tentera une autre forfaiture. Donc, merci pour tous ceux-là qui sont déjà au 237, parce que c'est là-bas que, au final, toutes nos actions doivent aboutir. Donc, nous dirigeons cette sensibilisation, cette mobilisation vers le 237 pour que le peuple, et je répète, pour que le peuple lui-même prenne son destin en main. Pour que le peuple lui-même prenne son destin en main. Pour que le peuple se lève et décide de chasser pacifiquement, pas le nombre, pas l'envergure de sa colère, le gouvernement satrapique. Parce que ce n'est que le peuple et rien que le peuple souverain, le peuple par qui ces gens exercent mais qui continuent d'écraser ce même peuple, c'est ce peuple qui se décidera de reprendre son pouvoir et de le remettre à qui de droit. C'est de ça qu'il est question. Travaillons donc, continuons de travailler afin de former ce peuple, de le conscientiser, de le mettre en éveil. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de fourmi, c'est un travail qui ne porte pas de résultats immédiatement. C'est pas une formule magique, une formule abracadabrande où quelqu'un va faire pap et ça change aujourd'hui. Alors, mon colonel, je vais prendre quelqu'un. Allô? Oui, bien sûr. À qui ai-je affaire? Ok. Je vous mets en live. Hein. Vous voulez donner votre opinion en live? Ok. Voilà un combattant qui va s'exprimer. Tu peux parler, on t'écoute. Hein. Oui, salut à tout le monde qui nous écoute ce soir. Merci à toi, Sandy, pour ce direct, que tu donnes ton temps et tous ces directs. Et je voudrais demander à toute la famille combattante de serrer les coudes derrière le professeur Maurice Kamto, parce que c'est lui qui nous montre la meilleure voie. Ce qu'ils disent, c'est quand même utopique de penser que ceux qui disent qu'il faut prendre des armes et qu'ils font des litiges, pour se nourrir, je ne sais pas comment, ils vont sponsoriser cette guerre. Parce qu'ils n'arrivent même pas eux-mêmes à avoir quelque chose pour vivre. Et je pense que eux aussi, ils sont vraiment dans une guerre de leadership. Ils veulent tout faire pour montrer que c'est eux qui ont la voix, même s'il faut détruire tout ce qu'on a construit. Donc il faut que les gens ne soient pas bêtes pour le suivre, c'est ce qu'ils disent. J'ai vu l'un d'eux qui a parlé des anglophones, des leaders anglophones. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'est la carrue des leaders anglophones. Quand on voit les leaders anglophones, ce sont des gens qui ont fait des longues études, qui sont des docteurs et qui savent où ils vont, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et ils ont eu aussi le temps de se préparer financièrement et même tactiquement.
gouvernement. Donc, il ne faut pas qu'il envoie des enfants du Cameroun aller se tuer pour rien et pour une cause que personne ne sait. Et tout ça parce que certaines personnes veulent profiter seulement de leur aura qu'ils ont eu, par, même, je ne sais même pas si c'est un aura, qui sont venus gronder sur Internet et qui pensent qu'ils peuvent donner des directives au Cameroun pour tuer, pour détruire le Cameroun. Je pense que ce serait une très mauvaise voie. Je suis content pour tous, pour toi et pour tous ceux qui suivent le professeur Maurice Kamto. C'était mon mot ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, merci. Merci pour cette belle intervention. L'antenne est ouverte, hein, vous pouvez intervenir, donner vos avis. Nous nous rendons déjà à plus d'une heure de live, presque à l'heure de live. Apportez vos avis, édifiez les Camerounais, dites ce que vous pensez. Nous sommes là pour échanger, nous sommes là pour communier. J'encourage aussi beaucoup les combattants ou alors les citoyens du 237 à s'exprimer afin que chacun nous dise ce qu'il pense de la situation socio-économico-politique au Cameroun et ce qu'il pense de l'issue que cette situation pourrait avoir. Donc, n'hésitez pas, nous avons encore une demi-heure d'émission. Nous sommes à l'écoute et les avis des uns et des autres sont importants. Donc voilà, ça c'était un combattant de l'Allemagne qui venait d'appeler et qui a donné un avis très intéressant, qui converge vers le changement dans la paix, qui pense que les Camerounais n'ont pas besoin de s'entretuer justement parce qu'il y a déjà une guerre en cours au Cameroun et que nous devons travailler pour atteindre un processus de paix. Comme l'a dit notre cher Ninja, il faut un processus de paix pour ramener justement la paix dans les régions en guerre au Cameroun, afin de peut-être arriver à une étape de pardon, réconciliation. Et c'est de ça qu'il est question. On ne peut pas non plus souhaiter que cette guerre s'enlise, parce qu'une guerre, on sait comment elle commence, mais on ne sait pas comment elle s'achève. Lorsque M. Biya déclarait la guerre à son retour du Sénégal, il ne savait pas que cette guerre allait durer 5 ans. Il pensait qu'avec le BI, l'entraînement que le BI avait des Américains, les armes et tout ça, ils allaient écraser les sécessionnistes. 5 ans plus tard, ce sont ces troupes qui sont en train de se faire tuer comme des mouches. Dans une guerre, on peut la déclencher. Et c'est surtout, comme je le disais, la motivation. Les anglophones étaient motivés parce qu'ils étaient victimisés dans leur propre territoire. Allô? Bonsoir, tu peux baisser le live de l'autre côté, s'il te plaît. Merci. Alors, comment tu t'appelles et dans quel pays tu vis? Ah, d'accord, waouh, ok, d'accord. Okay. Bonsoir, je te mets en live, alors tu donnes ton avis, d'accord? Ok. Donc, voilà un combattant qui va s'exprimer. Tu peux parler, on t'écoute. D'accord. Donc, en fait, je voulais dire que les choses ne devraient plus se passer comme souvent. C'est-à-dire qu'on doit radicalement changer les stratégies. Les gens, ou alors le gouvernement, a mis en place une certaine sorte de psychose qui fait en sorte que on nage complètement dans la peur. On ne devrait plus avoir peur. Ça fait 39 ans que nous avons peur. Et on ne peut plus continuer dans la peur. Je vous rappelle, madame, excusez-moi, je l'appelle souvent ma reine. Je vous rappelle, ma reine, que si on continue dans la peur, le gars, ou j'ai dit le gars parce que j'ai aucun respect à lui donner, je veux pas qu'il me donne, il veut pas que ce soit réciproque, hein, non. Je parle du fils du monsieur, parce que ce serait un luxe de citer son nom. Il va bénir et il va faire aussi 40 ans, sera 80 ans dans la misère totale. Alors, ce que moi j'ai dit, c'est que si on veut faire un combat, quand on fait le combat, que le combat soit radical, moi je suis pour le radicalisme du tout. Quand tout on recommence, c'est ça mon truc. Ça n'engage que moi. Hein. Je ne sais pas si tout le monde serait d'accord avec moi, mais on ne peut pas rester comme ça. Maman, c'est terrible. Je suis allé au Cameroun, c'est terrible que un enfant qui va à l'école le matin n'a pas de l'eau pour se laver.
C'est-à-dire que la moto, l'odeur, excusez-moi, pardon, l'odeur et la miasse qui sort de sa bouche et de son corps, ben c'est affreux, c'est effrayant. Elle arrive à l'école, tu rentres dans une salle de classe, merde, et toute la classe pue, excusez-moi du mot, mais hey, il faut le dire, ben c'est ça. Moi, j'ai pas, je suis radical. La classe, c'est-à-dire que c'est quoi ce pays-là? C'est quoi ce pays qu'un enfant ne peut pas sortir le matin avec peut-être 2000 ou 1500 de beignets et rentrer et manger en étant à l'aise? Non, trop, c'est trop. On dit stop à ça. Il n'y a plus de caresses à faire. On a caressé pendant 20, 30, 39 ans aujourd'hui et c'est bon là comme ça. Ouais. Pour moi, c'est ça. Ça, c'est ma position. C'est bon comme ça. Ils ont volé ce qu'ils ont volé. Et bon, d'accord. S'ils réussissent à partir avec, tant mieux. Mais pour moi, c'est que personne ne sort du Cameroun tant qu'on change, tant qu'ils restent là-bas. Et c'est Kamto qui vient. Pour moi, c'est Kamto. Il n'y a personne d'autre qui va venir en dehors de Kamto. Si Kamto monte au pouvoir là-bas et qu'il arrive, il arrive, aucun ministre, aucun bandit, je dis le voleur, le voyou, la personne ne se rend bloque partout, ça sent même pas, et le papier aussi, c'est bloqué, barré. Chaque personne a dormi, ça guigui pour le fouet. C'est comme ça. C'est que ça devient finalement quoi? On est où? Donc, maman, toi, tu sais, je n'ai plus à te rappeler, tu as tout mon soutien et je te dis merci pour tout le combat que tu fais. Tu es une femme formidable. Merci encore. Merci, merci beaucoup. Donc voilà, c'était l'intervention d'un combattant comme ça. Ah, chacun des Camerounais, tellement on a souffert que on a beaucoup souffrance, on a trop la tort. Tellement on a souffert que les gars veulent seulement en découdre. Mais bon, le président élu a dit que, enfin, c'est un constitutionnaliste, hein. On verra bien. On verra très très bien. Un instant. Merci. J'étais juste vérifier si les enfants sont allés au lit parce qu'il y a classe demain. Donc les enfants sont bien montés. Et là, l'antenne est ouverte. Vous pouvez appeler. Nous avons encore une quinzaine de minutes d'émission. Merci à tous ceux qui ont intervenu. Nous vous encourageons à venir exprimer votre opinion, à nous dire ce que vous pensez de la situation actuelle au Cameroun et quelle est la méthode que vous pensez être celle qui pourrait fait pencher la balance du côté du changement au Cameroun. De faire pencher la balance, bien sûr, de façon définitive, de façon certaine, mais surtout de façon productive au Cameroun pour se débarrasser de la dictature reptilienne de M. Biya. Appelez, intervenez, donnez vos avis. Nous savons que nous sommes 30 millions de Camerounais et nous sommes certainement 30 millions de Camerounais à avoir des méthodes différentes. Vous savez, la particularité des Camerounais, c'est que nous connaissons tous tout sur tout. Donc, nous sommes les Sabitous. Nous sommes personne, aucun Camerounais ne prend conseil de l'autre. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il sait. Nous sommes 30 millions d'entraîneurs de foot, 30 millions de politiciens, 30 millions de tout ce qu'on veut, mais néanmoins nous respectons et nous devons apprendre à respecter les opinions des uns et des autres. Ceux qui pensent qu'il faut faire la guerre pour changer les choses ont le droit de le faire et ceux qui pensent qu'il faut faire la paix, il faut justement encourager un changement pacifique, ont le droit de le faire. Tout le monde a droit à son opinion et ce n'est qu'ainsi qu'on pourra avancer. La seule chose que nous décrions souvent, c'est justement le fait de vouloir détruire les uns pour exister. C'est ça qui est déplorable. Mais sinon, en termes de débat politique, de débat d'opinion, chacun a le droit d'exprimer son opinion, chacun a le droit d'expliquer son opinion, et chacun a le droit de critiquer
son opinion sans vouloir détruire. Et c'est au peuple souverain de décider la voie qui est la meilleure pour lui. Le peuple se fera sa propre opinion au vu des arguments que les uns et les autres apporteront. C'est de ça qu'il est question. Donc, exprimez-vous, parlez, donnez vos avis, donnez vos arguments, et ce n'est qu'en argumentant, en étayant nos pensées, qu'on pourra éclairer le peuple. Du débat jaillit la vérité. Comme le colonel Sow le disait tout à l'heure, c'est lorsqu'on n'a pas d'argument qu'on oppose la force. C'est lorsqu'on n'a pas d'argument qu'on oppose la bataille. Quand on a des arguments, on les met sur la table, on discute. Et ce soir, nous discutons, nous mettons les arguments sur la table. Nous attendons vos avis, vos appels, vos opinions, vos argumentations. Et au fil de toutes ces discussions que nous aurons, de ces discussions citoyennes que nous aurons, le peuple sera édifié. Croyez-moi, tout ce que nous faisons est suivi de très très près au Cameroun. Vous êtes sur la page Sandy Boston officielle. 75% de ceux qui nous suivent sont à Douala et 20% de ceux qui nous suivent sont à Yaoundé. Les statistiques ne mentent pas. L'ordinateur ne ment pas. Nous sommes suivis à la lettre au Cameroun et le peuple s'édifie de tous ces débats, de toutes ces discussions que nous faisons et en profite pour justement s'éduquer, s'étayer, s'armer de connaissances si jamais nous les aidons dans ce sens-là. Mais il y a aussi un échange, hein, nous recevons beaucoup de suggestions des combattants, des citoyens camerounais. Nous recevons beaucoup de correspondances justement venant du Cameroun qui nous disent exactement quels sont leurs ressentis, quel est leur ressenti sur le terrain, ce qu'ils pensent qu'il faut faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous pensons que la majorité des Camerounais prônent la paix, prônent le changement dans la paix tel que présenté par le président élu Maurice Kamto. Donc nous avons à peu près 10 minutes pour appeler et à la fin des 10 minutes, nous allons clôturer le live. 10 minutes, vous avez 10 minutes. Le numéro pour appeler, c'est le 0044 780 459 46 14. 0044 780 459 46 14. Donc, nous avons encore quelques minutes avant de conclure ce live que nous avons vraiment aimé. Nous avons aimé les échanges, surtout avec le colonel Sow, qui nous a éclairé sur l'aspect de la conscientisation, l'appel à la conscience des individus et des collectivités. Le colonel Sow, qui nous a aussi beaucoup amené dans une dimension un peu plus intellectuelle de la chose. Et donc, nous attendons donc quelques minutes pour clôturer le live. Il y a quelques combattants qui sont connectés. Vous pouvez appeler. Sinon, l'antenne passe en priorité à ceux qui appellent des différents pays pour exprimer leur opinion. Et donc, comme ça, pour résumer ce que nous nous sommes dit ce soir, nous prônons le changement dans la paix tel que énoncé par le président élu. Cela ne veut pas dire que nous allons nous asseoir et attendre que Kamto amène le MSC aux élections et que les gens aillent voter. Non. Cela ne veut pas dire que nous sommes des peureux. Comme certains nous ont dit que nous sommes des lâches, nous sommes des peureux et on se cache derrière Maurice Kamto. Ben non, tout le monde sait qu'en termes d'audace dans ce combat, je peux me taguer d'être une de celles qui ont le plus osé. Donc, question de lâcheté,
Je remettrai, je renverrai la balle de l'autre camp. Mais non, non, non. Tout simplement pour dire que lorsque nous disons qu'on veut le changement dans la paix, ce n'est pas parce qu'on est lâche et qu'on va se cacher derrière Maurice Kamto. D'ailleurs, ils ont dit que Maurice Kamto est mou. Donc pourquoi irait-on se cacher derrière quelqu'un qui est mou? Non, encore. Non, 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 non. C'est juste que nous avons mesuré les enjeux stratégiques, politiques, militaires, des autres options. Et nous avons vu que l'option de la violence telle que prônée par certains, l'option des armes telle que prônée par certains, est sans issue. Elle est complètement sans issue dans la situation actuelle au Cameroun. Elle est sans issue. Et d'ailleurs, rien ne nous dit qu'au sortir d'une guerre civile menée avec les armes, ce sera l'opposition qui va prendre le pouvoir. Parce que si une des pontes qui a sa milice en ce moment au pays, qui a des alliés et qui a beaucoup plus d'armes, réussit à renverser la vapeur des révolutionnaires et à prendre le pouvoir, on va seulement retourner au même système avec les mêmes gens qui étaient au pouvoir avec Biya, malheureusement. Parce que lorsque vous prenez les armes, c'est la loi du plus fort et non la loi du plus logique. Ça devient la loi du plus fort. Et le plus fort, ce ne sera pas vous. Le plus riche, ce ne sera pas vous. Le plus à même d'avoir des soutiens extérieurs, ce ne sera pas vous. Créez le chaos et ceux qui sont tapis dans l'ombre depuis pour attendre que la situation devienne chaotique vont bénéficier de ce chaos. Et on va retourner dans une autre ère de dictature, une autre ère de répression, une autre ère de pauvreté, une autre ère de vol, de pillage du peuple. Donc, il faut regarder tout ça. C'est pas seulement vous contre Biya. Il y a beaucoup de petits gars là, tapis dans l'ombre avec leurs petits, leurs totos, ils attendent. Ils vous font vous déclenchez les hostilités, eux, ils viennent seulement profiter. Ils profitent, ils entrent seulement là-dedans. C'est de ça qu'il est question. Donc la solution des armes, surtout dans un contexte hautement tribalisé tel que le Cameroun, ce serait la catastrophe. Pas pour le régime Biya, mais pour le peuple. Ce sera la catastrophe. La catastrophe. Lorsque nous disons que oui, comme le dernier intervenant, le peuple souffre. Mais ce peuple souffre, il le sait. Le peuple sait qu'il souffre. Le peuple nous exprime sa souffrance. Les vidéos et les photos viennent tous les jours, le peuple souffre. Vous pouvez amener le cheval à la rivière, mais vous ne pouvez pas le forcer à boire l'eau. Vous allez traîner le cheval avec la corde à la rivière, mais vous n'allez pas le forcer à boire l'eau. Le peuple sait qu'il souffre. Si ce peuple, malgré la souffrance jusqu'à présent, ne se lève pas, ça veut dire que toutes les conditions ne sont pas réunies. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt. Alors c'est à nous de remplir ces conditions, de l'aider, de l'amener justement à boire. Nous allons continuer de faire ce travail de fond. Parce que le jour où nous allons essayer, je dis bien le jour où nous allons essayer de conjuguer sans le peuple, en comptant sur notre force des armes, ce jour, ce sera la catastrophe. Ce peuple va nous vomir nous-mêmes. Il va nous chasser, il va nous rejeter. On ne peut pas forcer le cheval ou le chameau à boire l'eau. Il va se tenir devant la rivière, il va regarder, il ne va pas boire. Il faut que le cheval ou le chameau ait soif pour qu'il se courbe et boive l'eau. Il doit avoir soif pour qu'il se courbe, la nécessité. La nécessité. C'est quand il va ressentir la nécessité d'agir qu'il va agir à sa manière. On ne va pas le forcer à agir. La force ne marche pas. Lorsqu'ils ont brûlé le tribunal à Foumban, vous avez envoyé combien de milliers d'euros pour que le tribunal soit brûlé? C'est quelqu'un qui leur allait leur demander de brûler le tribunal? Non. Ils étaient en colère. Il y a eu un événement qui a suscité la colère.
Ils étaient révoltés et ils ont brûlé. Lorsque à Bembis, ils ont brûlé la maison du sous-préfet. Est-ce que vous leur avez envoyé le laitier pour brûler? Non. Ils étaient en colère. Ils étaient en colère parce qu'on a violé leurs droits. On a volé leur vote. Alors ils sont allés brûler. Ben oui. On ne force pas le cheval à boire. Quelle que soit votre volonté de faire boire ce cheval, il ne boira pas s'il n'a pas soif, s'il n'a pas envie de boire. Nécessité. Nécessité. Et la nécessité, elle doit être collective, elle doit être généralisée, elle doit être la même pour tout le monde. Pour que tous s'indignent ensemble. Elle doit être la même pour tout le monde. Pour que tous s'indignent ensemble. C'est de ça qu'il est question. Je vais donc ainsi clôturer ce Facebook Live. Rendez-vous avec les Facebook Live de la Résistance. Et j'insiste, Résistance. Vous aurez Kamwa la Panthère qui va faire des lives prochainement. Vous aurez les Amazones Justine Boukam, Villageoise du Quat, Salomène Tchapchet, Lucie Pauline. Vous aurez Stevie Sam qui va nous organiser des plateaux. Vous aurez évidemment beaucoup d'autres combattants qui vont intervenir, comme ce soir le colonel So, la Baleine Blanche qui est là. Vous aurez donc une série, sans oublier Stéphane Tchoumbou, l'analyste. Vous aurez beaucoup de lives dans ce sens pour justement éclaircir l'idéologie du président élu sur le changement dans la paix. Mais aussi, sachez que dans les tuyaux de la résistance, parce que nous sommes dans la résistance, dans les tuyaux de la résistance, nous allons organiser des grandes manifestations justement pour garder le peuple en éveil, pour garder le peuple de la résistance en diaspora en éveil, pour dire au peuple de la résistance au 237 que nous sommes debout et nous sommes derrière vous. Debout, c'est debout jusqu'à la chute du dictateur. Et donc, restez connectés, restez scotchés. Le combat continue, la lutte continue. Les turbulences existent dans toutes les luttes. Je dis bien dans toutes les luttes. Mais tant que la lutte est debout et que le leader idéologique, politique, naturel de la lutte est debout, la lutte continue. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Merci.